Aujourd'hui, nous allons apprendre à conseiller ou déconseiller quelque chose. Pour cela, il nous faudra surtout le conditionnel, éventuellement l'infinitif ou le subjonctif. L'impératif, nous l'avons vu, est efficace pour donner un ordre, mais il est parfois brutal, pas forcément très sympathique. Le conditionnel, lui, est plus poli, plus élégant, plus respectueux. Il peut servir à demander poliment, à parler de manière élégante, comme si on parlait avec des fleurs, mais aussi à donner des conseils et à déconseiller quelque chose. Voici quelques expressions utilisant le conditionnel et l'infinitif. À l'impératif, nous voyons le ton autoritaire, range tes affaires. Au conditionnel, ce serait par exemple, ce serait bien de ranger tes affaires. C'est beaucoup plus poli. Tu dois manger sainement. Tu devrais manger sainement. Il faut faire du sport. Il vaudrait mieux faire du sport. Je veux que tu sois poli. Il faudrait être poli. Donc évidemment, l'impératif à éviter avec certaines personnes. Quelques autres exemples, va te coucher tôt. Si j'étais toi, si j'étais à ta place, je me coucherais tôt. Lâche un peu ton téléphone. Tu devrais lâcher un peu ton téléphone. Lavez-vous les mains. Pourriez-vous vous laver les mains? Je veux que vous arrêtiez l'alcool. Ce serait bien d'arrêter l'alcool. Donc, l'impératif, comme d'habitude, à éviter dans certaines situations. On peut avoir la même chose pour déconseiller. Ce serait bien de ranger tes affaires, ce serait bien de ne pas laisser traîner tes affaires. Remarquez la place de la négation. Tu devrais manger sainement, tu ne devrais pas, tu devrais éviter de manger gras. Il vaudrait mieux faire du sport. Il ne vaudrait mieux pas, il vaudrait mieux éviter de rester inactif. Il faudrait être poli. Il ne faudrait pas être vulgaire. Comment former le conditionnel? Nous avons en général une formation à partir de l'infinitif, sauf pour quelques verbes irréguliers. Les terminaisons, elles, sont toujours les mêmes. Pour conseiller quelque chose, les formes les plus utiles sont marquées ici en vert. Vous avez il serait, ce serait, elle serait, tu pourrais, tu devrais, et à la formule de politesse, vous pourriez, vous devriez. Vous avez également j'aimerais pour demander poliment quelque chose, ou nous aimerions. Et vous avez à ne pas confondre il vaudrait mieux ou il faudrait. Ces verbes existent seulement avec il. Les autres verbes existent aux autres personnes, mais ce sera moins utile pour cette leçon. Ça servira pour d'autres leçons. Quand ce n'est pas clair ou pas possible avec un infinitif, on peut utiliser le subjonctif. Ce serait bien que tu ranges tes affaires. Il faudrait que tu manges sainement. Il vaudrait mieux que tu fasses du sport. J'aimerais que tu sois poli. Si vous connaissez le subjonctif, vous pouvez l'utiliser. Sinon, attendez, nous apprendrons ce temps dans une autre leçon.